Seigneur Hadès. Vos progrès sont impressionnants, Kratos. Mais vos aptitudes ne suffiront pas pour aller jusqu'au bout. Je vous offre les âmes d'Hadès en personne. Les âmes des morts. Prêtes à combattre à vos côtés. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis.
C'est impressionnant, Kratos. Mais attention. Une fois parvenu au niveau supérieur du temple, vous ne pourrez revenir sans la boîte de Pandore. Kratos progressait dans le temple protégeant la boîte de Pandore. Il réalisa que ce monument célébrait non seulement le dieu de l'Olympe, mais aussi la folie du mortel qu'il avait conçu. Il avait conquis les niveaux inférieurs, mais ce qui l'attendait en haut allait être une épreuve même pour le plus brave des guerriers. Kratos était au service des dieux depuis suffisamment longtemps pour savoir que la harpie était un avertissement envoyé par son ancien maître dans l'unique but de lui rappeler la décision qui lui avait tout coûté. S'était-il écoulé tant de temps depuis qu'il avait failli mourir aux mains des barbares? Depuis le jour où il avait choisi de tout sacrifier pour sauver sa peau? Arès! Les cieux se déchirèrent. Et le dieu de la guerre apparut.
descendant de l'Olympe, il décerna un potentiel divin dans ce simple mortel. Arès allait sauver Kratos. Il allait le transformer en parfait guerrier et en faire son serviteur sur Terre. Un simple serment de loyauté lui fut demandé. Ma vie est vôtre, Arès. À compter de ce jour, j'exécuterai votre volonté. Et son destin fut scellé. Comme promis, Arès sauva la vie de son nouvel élève, déchaînant sa puissance divine. Il détruisit ceux qui s'apprêtaient à tuer Kratos et ses hommes. Quant à Kratos, il fallait un armement spécial au tout nouveau serviteur du dieu de la guerre. Les lames du chaos, forgées dans les profondeurs des enfers. Une fois attachées, les chaînes restaient scellées dans les chairs du porteur et faisaient partie intégrante de son corps. Un rappel permanent du serment de Kratos. En échange, il avait reçu la puissance ultime. La fureur d'Arès se déchaînait en lui. Mais bientôt, il apprendrait le véritable prix d'une telle puissance. Un prix trop élevé, même pour quelqu'un comme Kratos. Maudite bête! Je sais à qui tu obéis. Va voir ton maître. Dis au dieu de la guerre que je ne lui appartiens plus. Dis-lui qu'il est en danger tant que je suis sur Terre. Je trouverai la boîte de Pandore. Et je m'en servirai pour le voir trembler et s'effondrer devant moi.